Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Europa Universalis 4. Nous avions vassalisé de force la Northumbrie. D'ailleurs, t'as pas de revendication? Putain, tu les as coché moi, espèce de débile. C'est bien dommage. Bon, c'est pas grave, on pourra lui filer les provinces de toute manière. On n'a pas de coalition, hein. Il flippe un peu, je crois. Je voulais voir aussi un truc, c'était ici, on en est à... Putain, 65, mais ça recule, une vitesse. Oh, c'est pénible, c'est pénible. Presque envie d'en prendre les doctrines religieuses, quoi. Mais on peut pas, il nous faut alors les quantités. C'est vraiment pénible, ça. Oui. Je parle de l'argent pour la stab, carrément. Au fait, l'institution. Ah oui, ça a poupé en basse, voilà. La prochaine guerre contre l'Espagne, on lui prend un type de rat. Dara, pardon. Pour pouvoir bouffer Tunis. D'ailleurs, Tunis, pas de revendication. Mais qu'est-ce que tu fais, Naples? Fais tes revendications, Naples. Pourquoi tu les as pas faites là? Je comprends pas. Ah oui, Milan, voilà. C'est bien ce que je pensais, je savais que j'avais un vassal dans le coin. On pourrait faire bouffer Milan un peu. Si j'attaque les états pontificaux, c'est lié à qui? Portugal, Luc. Il me faudrait deux provinces ici. Ok, ils sont tous là-haut, quoi, les rebelles. Pas vous baisser votre tiens, voilà, vous voulez faire la gueule, faites la gueule. Au moins je récupérerai plus d'impôts de production et tout et tout. Ouais, comment je peux faire pour faire péter ces fouets de la réforme, la Sligo, là, il est en train de tout me convertir, ce con. Ah, je peux le faire en 50 de moins, Sligo, d'accord. Et 50 de moins à 30, ça passe. Donc on va attendre qu'il ait converti Argyle. Donc on est bien d'accord. Ouais, vas-y, 52 mois à 3, c'est pas grave. Toi, il te manque un navire. On va faire les navires qui manquent, mais pour ça, faut augmenter notre limite navale. Bof, là. Je vois pas le 2. Tu me dis 2 à Roxburghshire, ici. Voilà. Encore de la marge ici, très bien.
Et donc, si j'éclaire la gêne à guerre, non, la guerre à gêne. J'aurais pu arrêter. Hein. Ah, c'est je cliquais sur le mauvais. Ouais, reviens. Constituer un réseau d'espions, oui. Notre amiral est mort. Là, on a assez de revendications, on peut revenir. Tuer un mec chez les alliés, non. Ok, et donc je voulais voir si j'éclaire la guerre à Gênes. Reconquête, ça n'a pas coûté cher en expansion agressive. Et il n'y a pas grand monde qui vient. Très bien, bon, mais viens là. Je t'ai pas dit de rentrer au port, si. Voilà, rentre au port. Gêne a conclu une alliance, oui, si elle veut. Là, pour le coup, dans la péninsule ibérique avec Naples, on a quand même un allié assez, assez solide, on va dire. Très bien, on va même aller là. Il y a l'anchou, toi, mais ils y sont. Voilà, gère-moi ça. Ok, ok, ok. Ah, oh, il y a trêve dans le lot, c'est vrai. Je peux appeler qui? La bohème? J'ai combien de faveurs avec toi? Beaucoup, ok, viens. Mais c'était pas forcément en très bon état, mais viens. Siège de Milan remporté. Alors attends, Pavie, Milan. C'est pour ces trois provinces, ok. Ils y sont pas allés, c'est con. Vous êtes parfait, quoi. Ils sont allés aider là. Hop, Milan, très bien. On va aller faire ça. Et trêve. Ça va tomber avant qu'on arrive, évidemment. Putain, je vois la foire protestante, mais ça me rend dingue. Allez. Oui, du prestige, la productivité, je prends. Au niveau des doctrines, parfait, on va terminer ça. Coup des tech diplo et les actions diplomatiques ont un impact moindre sur la stabilité. Parfait. Et donc, on peut prendre... Diplomate et relations diplomatiques. Ou alors, relations... Non. Minissime, plutôt. Attends, je vais nous voir un truc. Là, on a quoi? L'astuce de guerre, défense et fort. Enlève-le. Mets-moi... réputation diplomatique. Voilà. Et ici, mets-moi diplomate et... relations diplomatiques. Parfait. Donc, on peut remonter à 8. On verra après pour un... Mais il a Pologne dans l'eau. Ah ouais. Et la Moravie. Ah oh bah très bien, on va filer la Bohème. Oui, si tu veux. Ok, la Moravie. Tu vas être mûr. Tu files ça, la Bohème. Des sous. Impec. Nous, on va tomber sur trêve ou pas? Il y a besoin. T'es déjà assiégé, trêve. Ok, bon. On va t'éclater.
j'étais sur un pays moins 2, carrément. Je file une avare kiff. Oui, vas-y. Donc pour le coup, là, normalement, voilà, très bien, j'ai ce qu'il faut. Bah oui, des points. Et on en a trop partout. On va commencer par améliorer notre légitimité. On va... là, ça sert à rien. Donc bah, on va développer le pays une nouvelle fois. Tiens, hop. Ouais. On reviendra plus tard. Donc, vous les terminez, eux. Bon, ah bah parfait, il n'y a plus personne sur Trèves, on va aller sur Trèves. Efficacité commerciale x2, très bien. Enfin, plus 2 qui coûterait 2 fois moins cher. Ok, l'anchoot, c'est terminé. Oh putain, c'était l'empereur. Tiens, enlève ça. Tu veux pas, tu vas vouloir. Qui est-ce qui me propose Wittenberg, oui. Si tu veux. Ok, ici, est-ce que je peux faire des revendications pour la Northumbrie? Genre, attends, on va faire ça comme ça. Longshire. Non, c'est pour moi. Ah, la Northumbrie a fait ici. Impec. Ok, la Northumbrie fait ce qu'il faut, très bien. Pour revenir. Ici, j'ai une revendication, non. On va la faire. Donc on attend que Trèves tombe, Landshut. Ah bah oui, on va venir. On va venir et on va rapatrier eux du coup. En guerre contre Hongrie, Lituanie, Mazovie. Bon, Lituanie, on s'en fiche. Mazovie, on s'en fiche, c'est peu, quoi. Donc, eux, ramène-les ici. Ah, mais tu peux passer par là. Ok, bah viens en Lituanie. Très bien. Donc, Trèves, bientôt. Voilà. Tu deviens Kato, un claque. Non, attends. Ah oui, on va plus avoir l'accès militaire, on va être Black Flag. Et si, on peut toujours. Bon, très bien. Landshut, t'as compris que c'est fini ou pas? Pas encore. La Pologne, ah oui, non, ça sert à rien, on n'a pas fait le siège. Donc ouais, Landshut, tu m'annules ta réforme? Pas encore. Je sais pas où, pourquoi, je sais pas où sont tes troupes, mais ok. On va venir là du coup. Et en fait, je vais rapatrier ces mecs ici. Oh putain, mais dès que je bouge, c'est un truc de fou. Viens là. Vous avez vraiment décidé de faire le tour du monde. Bon, mais faites le tour du monde. C'est Landshut, ça? Non, c'est Ingolstadt. Je sais pas où sont les troupes de Landshut. Je sais pas pourquoi il veut pas... Oh, attends. En guerre contre l'Autriche, magnifique. Ça, c'est pas magnifique. Brisgau remporté, Norfolk, ouais. Ici, on va venir là. Donc Landshut, ça y est, t'es à faible? Non, la Pologne, oui. T'es certainement Kato, donc en réparation de guerre. Attends. On peut vassaliser la Pologne. Ouais.
plus grand chose la Pologne, mais c'est pas grave, elle aura plein de revendications. Donc c'est pas très grave, on va être en trêve. Hein. Bon, on va attendre un peu la Pologne. Si je peux te vassaliser maintenant, c'est parfait. Annulé. J'aimerais bien lui faire annuler sa... Pourquoi tu veux pas, en fait? Allez, en guerre, viens de guerre, bon. Ok, on va changer... On va changer... T'annules avec... Ottoman... Russie... Eugène... Détournement du commerce, tu veux pas... Réparation de guerre, transfert de puissance et de l'argent. Très bien, il reste la Pologne, mais on va attendre. Et du coup, j'ai perdu. Non, j'ai des troupes là-bas. J'en ai qui s'occupent d'eux ici. Vous venez là. Siège de Berne remporté. Putain, on fait les sièges à une vitesse. Attends, la Pologne, t'es qui en fait? Ah, t'es là. D'accord, attends, on va finir la Pologne alors. Ouais, encourageant ces attaques, si ça peut me booster les missionnaires, c'est très bien. Viens ici. Putain, je vais être aux Prusses. Vous êtes en guerre aussi? Non. Ok. Très bien, bon, ça se passe bien cette partie. Ici, on va venir là. Oh, j'ai pas vu, mais on les a éclatés, très bien. Super. On va aller terminer la Pologne. Ok. Vous avez réussi à faire le tour du monde ou pas encore? Pas encore, hein. Compliqué. Alors attends, on va essayer un truc. Pourquoi je peux pas? C'est trop à l'arrêt, oui. Voilà, marche forcée. On vient là. Perdu un général ici. Ouais, de toute façon, on pourra rien faire. On va juste attendre qu'il tombe ce siège finalement. Est-ce que la Bohème a des revendications? Non, la Russie en a. D'accord, bon, garde. La Saxe a bien grossi, la Saxe. On est en guerre contre qui encore? Qu'on n'a pas éclaté. Pas grand monde. Ah, Gênes là-bas. Ouais, bon. Ok, ben... vous êtes venus pour rien, les gars. La guerre est finie. Juste ça là, et on vassalise la Pologne s'il veut bien. On a remporté le Liège. Donc la Pologne qui est pas encore, on espère juste que ça tombe. Enfin, Poznan. C'est qui ça, Pologne? Bon, je pense qu'ils sont mûrs, la Pologne, ouais. Voilà, on te vassalise, très bien. Eh bien. Toi, du coup.
Attends, on va demander la paix à Gênes. On veut les provinces milanaises. Ouais, ça passe. T'es sous. Réparation de guerre. T'as annulé avec l'Autriche. Ok. Voilà, Milan grossit, très bien. Toi tu viens là, toi tu vas pourquoi pas ici. Et du coup le Danemark... Pologne conquête et reconquête, très bien. Très très bien ça. Bah tant pis, maudit du coup de la stab. Ici on va les prendre parce qu'on est en retard. On peut faire d'université s'il ne me trompe pas. Ah, c'est pour après. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh oui, puissance démissionnaire, très bien. Ici, vitesse de recouvrement, ouais. La champagne existe, ah ouais. T'as le bar. Non, si. Non, la champagne. Bah oui, je suis bête. Ils sont là. On peut revenir la Lorraine, j'ai la revendication, non, il me faudrait la Bourgogne en fait. Donc ouais, la Bourgogne, il va falloir terminer. Ah bah la Pologne, Cassibé, reconquête. Bah, parfait. Petite guerre là, vite fait. Landshut et Poméranie, oui, c'est pas très grave ça. On a une armée ici, ouais, vas-y. Conquête de Vizna. C'est où? Là. Ouais. De toute façon, l'Autriche va imploser. Ok, allez, on est arrivé au bout de cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi. Donc là on commence vraiment à passer à vitesse supérieure. On a un gros vassal là qui va bouffer tout ça. On a Milan qui va bouffer ça. J'aimerais bien que ces cons de Napolitains fassent les revendications ici. Moi je peux pas les faire pour eux. Non. Donc voilà, on va voir. Allez, je m'arrête là, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour la suite, salut à tous.